Good afternoon, everyone. My name is Daphne Guerrero. I'm the manager of public education and outreach. Je suis responsable de l'éducation et je voudrais d'abord remercier l'Université d'Ottawa et Madeleine qui ont organisé cette conférence merveilleuse. Je représente le personnel d'OTC et les exposés de cet après-midi qui sont excellents. Je vais vous présenter les panélistes. Comme l'a dit Patricia Kassim ce matin, notre commissaire est en train d'établir des priorités. Il y a plusieurs questions qui ressortent. C'est la nécessité de l'éducation publique. Alors, c'est une conversation qui arrive à point. Nous allons avoir Karen Louise Smith. C'est une étudiante postdoctorale à l'Université de Toronto. Elle s'occupe du réseau Mozilla à Toronto. Elle a l'aide du bureau de la commission à la vie privée. Colin Kay est le directeur des politiques publiques. Des relations gouvernementales pour Google Canada. Enfin, Matthew Johnson est directeur d'éducation média, Abilo Média. Il est directeur du centre numérique et il a présenté des textes Abilo Canada sur des sites à divers organismes un peu partout dans le monde. Il a 10 années d'expérience en éducation. C'est un spécialiste de l'éducation des jeunes. Je vais inviter Karen Louise Smith à présenter d'abord son exposé. Bonjour à vous tous. Comme l'a dit Debbie, j'ai une bourse de recherche et je suis à la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto. Je vous parle aujourd'hui d'un projet en vue de concevoir des insignes ouverts à l'intention d'étudiants qui vont être des chercheurs auxiliaires. Nous voulions concevoir une adresse IP pour explorer certaines possibilités d'éducation utilisant des caméras. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que des approches fondées sur le jeu qui sont utiles sont nécessaires pour assurer la protection de la vie privée sur le net. Je voudrais vous parler de nos partenaires. Hive Toronto est un organisme de littératie très important. Nous avons beaucoup de membres, dont des organisations comme le Club des garçons du Canada, l'Université de Toronto est un partenaire et nous avons 18 chercheurs qui ont participé au projet. Ces adolescents ont participé à la préparation du projet des insignes et ils nous ont parlé de ce qui pourrait être disponible à la fin du projet. Au début, nous avons commencé ce projet un samedi d'octobre. Nous sommes partis d'une page blanche. Nous savions qu'il fallait concevoir 10 prototypes et nous ne savions pas ce qui apparaîtrait sur ces insignes ouverts. Et je tiens à faire une pause pour vous dire ce que nous entendons par insigne ouvert à ce stade-ci. Un insigne ouvert, c'est une image plus des métadonnées. Et cette badge, cet insigne, donc, fonctionne comme un autre insigne. On se sert de normes techniques ouvertes. Et l'insigne peut être partagé sur le web
et il peut contenir différentes choses, une page de données de base, une liste de compétences et le reste. Les éléments de ce projet de recherche sont nombreux. Nous avons fait participer ces chercheurs adolescents pendant 70 heures. Ils devaient participer à des ateliers les samedis pour des périodes de 6 heures. Ils ont participé à des séances de remue-ménage. Ils ont participé également à des projets de documentation. Il a fallu faire des choses entre les différents ateliers. En tant qu'élément de ce projet, nous avons prévu des entrevues d'une heure auprès de 12 éducateurs, de représentants des bibliothèques et de centres communautaires afin d'avoir le point de vue des éducateurs au sujet des insignes et d'améliorer les programmes. Nous avons également créé un atelier sur les connaissances, un atelier de 4 heures qui avait lieu les samedis et qui regroupait une trentaine d'éducateurs. Et les membres de l'équipe ont présenté aux éducateurs toutes sortes de concepts et ils ont aidé à co-concevoir les insignes. On s'est demandé comment ceci pouvait s'intégrer à Mozilla, qui est connu pour avoir créé Firefox. Mozilla a un programme d'éducation très intense. Il ne s'agit pas d'avoir des consommateurs d'éléments sur le web. Nous voulions utiliser le site WebMaker. Il s'agit d'un site où les visiteurs sont invités à créer leurs propres applications. Nous devons créer des ensembles qui peuvent être utilisés pour l'enseignement. Et ceci donne lieu à la création d'insignes qui peuvent être disséminés. Nous voulions présenter une image de l'insigne qui fait partie du programme. Beaucoup des textes commencent avec une description de la journée du chercheur. On encourage les participants à formuler ce genre de journal et de pouvoir discuter avec les pairs de ce genre d'activité. Ce système d'insignes qui fait partie du projet comporte divers éléments. Il y a 3 prototypes d'insignes ouverts qui sont disponibles à ce site. Nous avons 7 prototypes d'insignes préalables et les activités d'enseignement sont en voie d'être mises au point, mais les insignes ne pourront pas être diffusés. Les ensembles de matériel d'enseignement seront mis sur le web et pourront faire l'objet de licences. Vous avez un appel de cette façon aux éducateurs en vue d'améliorer le système pour qu'il soit plus utile. Je voudrais passer le reste de mon temps de parole pour parler certaines façons dont la protection de la vie privée est protégée par ce système. La notion de l'enseignement centré sur la production nous amène à aider les élèves à concevoir, à créer et à explorer le secteur. Il y a la possibilité de créer un journal et mettre des renseignements sur le web de façon à partager les connaissances qu'on a acquises au sujet de la propriété.
les jeunes peuvent participer à des activités de jeu. Pour ceux d'entre vous qui connaissez Lowell Cats et les plaisanteries qui circulent sur l'Internet, nous avons ici une image qui est intitulée « Géodonnées ». Je sais ce que vous avez fait l'été dernier. Nous savons que ces activités vont déclencher des dialogues et des conversations parmi les adolescents. Remix est également une fondation ou une activité qui peut amener une plus grande collaboration entre les éducateurs. Il y a à ce moment-là la possibilité d'éliminer les obstacles entre les échanges d'informations parmi les éducateurs. Les mercredis soirs, on pourra faire passer les renseignements et les éducateurs pourront en tirer profit. En terminant, je voudrais vous donner une idée des points qui portent sur la participation des jeunes à la préparation de matériel éducatif. Arriver à contrôler les données que l'on génère ne suffit pas. Plusieurs adolescents ont appris certaines choses en découvrant ce qu'ils ne devaient pas faire en ligne. La protection de la vie privée suppose qu'on connaisse les technologies, les médias sociaux et le matériel, de même que le logiciel. Ce genre de logiciel ouvert peut permettre de reconfigurer la technologie de façon à ce que cela corresponde davantage aux besoins des adolescents. L'apprentissage nécessite une approche plus positive à l'égard de la protection de la vie privée sur les réseaux. Je vous remercie. Et après les autres exposés, je serai prête à répondre aux questions touchant ce sujet. Je vous remercie de la part de mes collègues et des gens qui m'ont aidé à préparer cette recherche. Thank you very much. Merci beaucoup. Au départ, comme l'ont fait certains de mes collègues, je voudrais vous dire d'abord que c'est un privilège d'être ici avec vous et d'entendre tous ces points de vue sur la protection de la vie privée. C'est un privilège pour moi de partager avec vous une partie de ce que nous avons fait à MediaSmarts. Je voudrais vous parler d'abord de la recherche que nous avons menée. Il s'agit d'un projet de 15 ans qui met en cause des jeunes Canadiens. On cherche à trouver ce que font les jeunes Canadiens en ligne, comment ils le font, et en particulier, quelle est leur expérience, quelles sont leurs attitudes à l'égard du monde en ligne. Ce qu'ils apprennent en ligne, est-ce qu'ils apprennent des choses en ligne et apprennent-ils bien? Je pense au dernier programme, phase 3, les jeunes Canadiens et l'Internet. Ceci est fondé sur une étude menée en 2013 et nous avions des étudiants de toutes les provinces et de tous les territoires du pays, des élèves de la 4e année à la 11e année. Nous avons pu extrapoler à partir de ces données. Il y a différentes raisons pour lesquelles nous faisons cette recherche et nous consacrons cette recherche à des buts bien précis. Nous voulons examiner les recherches qui ont lieu ailleurs dans le monde et voir si ces recherches ont une application dans le contexte canadien, parce qu'on étudie assez peu l'attitude des jeunes Canadiens à l'égard de l'Internet. Ceci nous permet également de confirmer ou d'infirmer certaines hypothèses que nous avons. Alors, entre les différentes phases de cette recherche, nous devons de plus en plus nous fonder sur nos instincts
compte tenu des recherches qui se produisent dans différentes parties du monde. Les recherches nous permettent de déterminer si nous avons tort ou nous avons raison. Et enfin, cette recherche nous indique dans certains cas que nous nous trompons. Et cela nous donne plus de détails sur les facteurs habituels qui s'appliquent. Un des points qui s'applique, c'est que pour les jeunes, la protection de la vie privée est quelque chose de social. Nous avons constaté que pour les jeunes, l'accès à la technologie numérique sert à la création de liens sociaux. Comme vous pouvez le voir dans le cas des élèves de 11e année, les élèves que nous étudions sont extrêmement actifs sur les médias sociaux. Ils s'en servent pour communiquer. Ils sont des clients. Ils se présentent eux-mêmes, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup d'activités sociales, donc, et comme nous le pensions, on se préoccupe beaucoup parmi eux de la réputation et de la protection de la vie sociale. On se préoccupe de ce que les gens pensent d'eux. Mais bien entendu, il n'y a pas de règles rigides qui séparent la protection des données et la protection de la vie privée. La plupart des services utilisés par les jeunes à des fins sociales sont des services qui recueillent des données à leur sujet ou qui fournissent des données à d'autres sujets, à d'autres groupes, dis-je, au sujet de ces jeunes. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sites et de services qui sont très populaires parmi les jeunes et qui encouragent les gens à divulguer toutes sortes de renseignements. Donc, la divulgation sociale, parler de qui vous êtes, mais on encourage également la divulgation de données, donc de divulguer l'information sur votre catégorie démographique, qui vous êtes, c'est au cœur de beaucoup de modèles d'affaires. Sans surprise, qu'en 10e et 11e année, chaque étudiant qui a participé à notre étude avait un compte Facebook. Mais en 4e année, un élève sur 5 avait déjà un compte Facebook. Ça, c'était surprenant. Ça nous a indiqué que un bon nombre de jeunes utilisaient les comptes de réseautage social. On a également constaté que pas mal de jeunes se servaient de mondes virtuels tels que Fantage, Moshi Monsters, qui encouragent la même divulgation, qui fait la collecte de beaucoup d'informations démographiques, et c'est de cette façon qu'on contourne donc le fait qu'on offre les services gratuitement. On a étudié une des questions. On a posé la question suivante. Est-ce que les élèves s'intéressaient à la protection de la vie privée? Ce n'est pas surprenant d'apprendre que les élèves voulaient protéger leur réputation et ont soupçonné que les élèves préféraient généralement se servir des outils sociaux pour contrôler leur vie privée. Les élèves qui avaient une photo qu'elle n'aimait pas, eh bien, l'élève allait demander à ce qu'on supprime la photo. Ce qui nous a vraiment surpris était que les élèves s'intéressaient à la protection des données ou à contrôler leurs propres données. Comme on voit ici, le troisième élément sur notre liste indique que trois quarts des élèves disaient qu'ils voulaient plus de contrôle de ce que faisaient les compagnies avec les photos, informations affichées en ligne. Donc l'intérêt existe, mais notre recherche a confirmé qu'il y a très peu de compréhension de la protection des données. Deux tiers des élèves ont dit que si le site web dispose d'une énoncée sur la protection de la vie privée, ça veut dire que la compagnie ne va pas communiquer les informations avec d'autres. Donc la ligne de démarcation entre la protection des
des données privées et la protection de la réputation n'est pas claire. Les jeunes ne comprennent pas qu'une énoncé de ce genre n'est pas la même chose que les outils pour protéger la vie privée. Ils savent comment s'en servir. Ils ont appris comment s'en servir. Ils s'en servent pour contrôler l'accès à leurs affichages. Mais qu'en est-il de la protection des données? Plus de 50% d'entre eux pensent que l'existence d'une politique signifie que leurs informations personnelles ne seront pas communiquées à un tiers parti. Alors, ce qui nous a vraiment surpris, c'était que cette statistique est stable. Les élèves en 11e année ne savaient pas plus au sujet de ces politiques que les élèves en 4e année. Et nous voulons donc enseigner ou apprendre. Parler aux élèves à l'école secondaire de ces énoncés de respect de la vie privée. Le même nombre d'élèves nous ont dit qu'ils n'avaient jamais lu cette politique. Une entente sur la protection de la vie privée, ce n'est pas une priorité pour les parents. On sait à partir de notre travail avec les parents que les parents s'inquiètent de la sécurité de l'Internet, ils s'inquiètent de la protection de la réputation, mais les parents ne se préoccupent pas vraiment de la protection des données. Et ils ne savent pas vraiment comment en parler à leurs jeunes. On a constaté la même chose du côté des professeurs. Ce n'était pas vraiment une priorité pour les professeurs. C'était en bas de liste pour ce qui est de les professeurs disaient avoir les compétences nécessaires. On peut voir une comparaison. Un élève sur six dit en fait que personne ne leur a jamais montré comment utiliser les outils de protection des données. 40% des jeunes ont appris de leurs parents comment s'en servir. Mais le tiers des élèves n'ont pas appris comment les entreprises collectent et se servent des informations personnelles en ligne. C'est quelque chose qui préoccupe les jeunes. Il faut leur sensibiliser, mais ils n'apprennent pas les bonnes informations. Ils veulent en savoir plus. Quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient apprendre à l'école, eh bien, 1 sur 3, et ça c'est le troisième, en troisième rang. 1 sur 3 disait qu'ils voulaient savoir un peu plus sur comment les compagnies font la collecte et utilisent leurs informations personnelles. Eh bien, tout ce que ça nous indique qu'il faut justifier l'approche qu'on adopte pour ce qui est de la sensibilisation à la vie privée. On doit parler de la protection des données privées et de la réputation en même temps, parce que la ligne de démarcation, ne pas parler des deux en même temps, ça veut dire qu'on va seulement leur parler de la protection de la réputation. C'est quelque chose qui est mieux compris par les parents. Nous avons tous lu des articles dans les journaux au sujet des gens qui ont eu une mauvaise expérience parce que quelque chose de très privé est devenu de notoriété publique. Les effets négatifs à cause de la perte de données ne font pas couler beaucoup d'encre. Il y a beaucoup d'exemples qui ont été évoqués aujourd'hui quant au chevauchement entre les deux, et c'est même la même chose. Beaucoup d'étudiants dans notre sondage avaient déjà fait une recherche en ligne sur les questions de troubles mentaux. Eh bien, alors, leur historique de recherche est également une question de protection de la vie privée. Si les gens savent que vous effectuez de la recherche sur les troubles mentaux, c'est une question de protection de leur réputation. Même auprès des plus jeunes, eh bien, on essaie d'adopter une démarche qui inclut les deux types de données privées.
quand on s'adresse aux plus jeunes, eh bien, on essaie d'enseigner par le biais des jeux, et je vais vous montrer le jeu dont on se sert. J'aimerais prendre une pause et j'aimerais vous parler des principes de base de ce jeu. Parce que la protection des données est quelque chose qui est très difficile à présenter et il y a très peu de jeux qui réussissent. Et on a fait beaucoup de travail à savoir pourquoi un jeu réussit. Alors, il y a plusieurs éléments de base. On les a cernés dans le cadre du travail de Henry Jenkins. Pour ce qui est des jeux informatiques, parce qu'il y a un certain niveau d'abstraction, eh bien, il y a la question du transfert qui se pose. Qu'est-ce que c'est? Ce que vous apprenez de toute activité, dans quelle mesure c'est transférable l'activité que vous apprenez? Et dans quelle mesure l'apprentissage dans un seul domaine transfère-t-il à un autre domaine? Il y a la question de l'apprentissage linguistique, par exemple. Apprendre une langue, est-ce que ça vous dispose à apprendre toutes les langues ou juste les langues associées aux proches? Alors, apprendre une langue va vous donner plus de confiance pour ce qui est d'apprendre une autre langue, mais au niveau cognitif, le transfert est très limité. Alors, quand on étudie la question des jeux électroniques, c'est une question qui se pose parce que tous les jeux informatiques sont une simulation. Alors, si la simulation et l'exercice connaissent un grand écart, eh bien, moins de transfert et de transfert y aura. Alors, notre deuxième critère pour un bon jeu éducationnel, il faut que les étudiants puissent échouer. Si on ne peut pas échouer, ce n'est pas un jeu, n'est-ce pas? Non, ça, ce n'est pas forcément une question de philosophie. C'est important pour ce qui est de la motivation. Peut-être c'est ce n'est pas intuitif. Vous allez peut-être penser que si on ne peut pas échouer, on ne serait plus motivé, mais c'est tout à fait l'inverse. Alors, il faut trouver vraiment le juste milieu où on peut échouer, mais où l'échec ne te coûte pas cher. C'est pour cela que j'ai donc la photo de Indiana Jones à l'écran. Si vous avez vu Raiders of the Lost Ark, alors vous allez constater en fait qu'il échoue. Il échoue pour chaque activité qu'il mène pendant le film. Mais on le respecte. On ne pense pas qu'il est un bon à rien parce qu'il revient toujours. Ses échecs ne lui coûtent pas cher. Ce n'est jamais mortel. Il gagne à la fin. Alors, ce qui est un peu difficile, surtout quand on élabore un jeu éducationnel où il y a toujours un juste milieu à atteindre. Donc, il faut établir le bon équilibre entre la possibilité d'échec et faire en sorte que l'échec ne soit pas mortel, ne les mène pas à abandonner. Alors, quand c'est quelque chose que les enfants se sentent obligés de faire, eh bien, ça perd sa pertinence. Les jeux éducationnels doivent être intégrés. Ça va être difficile parce qu'on voulait en créer un jeu qui pourrait être utilisé en salle de classe et à la maison également. Nous introduisons maintenant ces applications qui peuvent être utilisées à domicile. Ce n'est pas censé être au cœur d'un cours formel. On a des instructions qui montrent aux parents comment s'en servir lors d'une conversation sur le respect de la vie privée. Le dernier élément, bien entendu, de tout jeu qui veut réussir, c'est qu'il faut que ce soit amusant. Et ceux d'entre vous qui avez le même âge que moi, allez vous souvenir des jeux éducationnels qui était vraiment amusant. Donc, on faisait de la mathématique et si on réussissait
alors un alliant à l'exploser et l'inverse si on échouait. Ça s'appelle le brocoli couvert de chocolat. C'est toujours du brocoli, même si on le couvre de chocolat. Alors, ce sont les défis auxquels on a fait face. Je vous ai parlé de comment on a relevé les défis. Je vais vous montrer le jeu. Je vais vous parler un petit peu de comment on veut régler certains problèmes. Eh bien, je vais vous parler de pourquoi on en a créé une application, et ça c'était grâce donc à notre au financement du commissaire à la vie privée. Ici on a donc la page d'accueil. Thanks. Long ago, the map to the treasure of Internet Island was cut up into 9 pieces. Now, pirates who want your privacy have the pieces. If you can answer each pirate's question, you can put the map together and find the treasure. Before we land on the island, I'll ask you some questions about privacy. If you're not sure what the answer is, click on Hint and I'll give you some help. So, eh bien, you can see on voit tout de suite comment on l'a rendu amusant. Et dans une certaine mesure, on a abordé la question du transfert. C'est un peu fantaisiste. Ce n'est pas vraiment une simulation. Une simulation des décisions que les enfants sont tenus de prendre au sujet de la protection de leurs données. Et c'est un peu différent des jeux qu'on a pour les élèves plus âgés. Pour eux, on a des simulations qui représentent la réalité. Et pour les jeunes, on a choisi donc l'élément de fantaisie, mais en même temps, la plupart des préoccupations en matière de protection de la vie privée que vivent les jeunes surgissent dans ce genre de contexte. Parce qu'eux, ils font face à ce genre de problèmes dans les applications et dans les mondes virtuels. C'est dans ce genre de contexte qu'on va leur demander de donner leur âge ou de remplir un sondage, etc. Alors, le transfert, dans ce cas-ci, alors, tout tourne autour des pirates. Alors, l'information personnelle est quelque chose que le pirate essaie d'obtenir du joueur. Il y a également le trésor que le joueur essaie de protéger. Eh bien, ça renforce l'idée centrale, et c'est vraiment l'idée qui est plus importante que tous les autres faits. Et ça renforce l'idée que les informations personnelles, que ce soit les réputations, les données personnelles, sont importantes. Et c'était vraiment la pièce maîtresse de ce jeu. C'était l'enseignement à retenir, en fait, de ce jeu. Pour ce qui est de offrir la possibilité d'échec. Il y a donc une structure à 2 volets. On commence avec le personnage que vous venez de voir à l'écran. Et lui, il parle de plusieurs principes de base, des idées de base au sujet de la protection de la vie privée. Vous voyez que les questions sont assez simples. Il y a seulement 2 options à ce stade-ci. C'est lui que, pendant le jeu, vous donne des tuyaux. C'est le personnage amical qui vous accompagne. Et ça nous donne la possibilité donc de sensibiliser les jeunes sur demande. On ne pose pas des questions sur les informations que n'ont pas les enfants. On donne les informations au compte-gouttes. Donc, les enfants vont rencontrer des pirates. Chaque pirate se spécialise dans un domaine.
Il y a un pirate qui se spécialise dans le domaine des mots de passe. Il y a un autre qui se spécialise en photo, un autre dans le domaine des sondages, etc. Donc, c'est aléatoire. On peut faire le jeu à plusieurs reprises et les questions seront toujours différentes. Mais ça fait en sorte à ce qu'on tienne compte de tous les domaines. Voici les questions qui sont posées. Vous voyez qu'il y a maintenant trois questions, trois choix. C'était un peu plus difficile. Et on a accès également aux mentors, aux personnages pour nous aider. Alors, la possibilité d'échec, mais le coût de l'échec est très faible. Il y a une quantité limitée de questions. Quand on ne peut pas avoir la note de passage si on répond fautivement à un certain nombre de questions. Le mentor va vous dire, écoutez, vous devez savoir apprendre un peu plus sur la protection des données personnelles. Retournons au principe de base. Il n'y a pas de grandes implications. On vous permet donc de vous rafraîchir la mémoire et ensuite on peut rejouer. Il y a également la sélection des questions aléatoires, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément posé les mêmes questions que la première fois. Et ici, il y a un élément de motivation, donc bâtir une carte de trésor à chaque fois qu'on répond affirmativement à une question, eh bien, on va avoir un morceau de la carte. Alors, une fois qu'on a collectionné toutes les pièces, on trouve le trésor et on vous dit en fait que le trésor, c'est votre information personnelle que vous devez garder en lieu sûr. Alors, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a créé une version application. On l'a fait pour l'iOS et pour l'Android. J'ai parlé tout à l'heure de comment on utilise la recherche pour influencer le travail. Une chose que la recherche nous a appris, qui ne nous a pas étonnés, c'est que les jeunes, particulièrement les plus jeunes, sont des utilisateurs fort enthousiastes des dispositifs mobiles. Les dispositifs mobiles sont devenus, surtout chez les jeunes enfants, une des façons les plus populaires d'accéder à l'Internet. Alors, rendre cette information accessible par les dispositifs mobiles est une façon très importante de rejoindre les enfants qui en ont besoin, justement là où ils risquent de se heurter à ces questions de protection des renseignements. Mais notre recherche, comme je l'ai dit, nous étonne parfois. Et une chose qui nous a étonnés au sujet de la recherche la plus récente, que nous n'avons pas encore publiée, et le fait que les tablettes sont aussi très populaires dans les salles de classe. Plus de la moitié des professeurs, dans notre sondage auprès de 5000 enseignants partout au Canada, mettent des tablettes à la disposition de leurs élèves en salle de classe et plus de la moitié des profs permettent à leurs élèves d'apporter leurs tablettes dans le cadre de ces programmes, des programmes scolaires. Alors, ça nous montre que les versions en application sont essentielles pour faire venir les ressources non seulement à la maison, mais aussi dans la salle de classe. Alors, voilà comment nous avons intégré les données et la protection de la vie privée en des programmes de sensibilisation des jeunes de 5 à 7 ans. Merci. J'ai l'impression que c'est la semaine de la rentrée et je disais à Pat que la première fois que je suis arrivée au bureau il y a 8 ans, le forum se tenait soit dans cette salle, soit dans la rotonde. Et François vient de me le confirmer. Quand on m'a invité à participer à ce panel, j'étais très contente parce que je connaissais le plan de nos produits. Je savais que quelque chose pourrait arriver cette semaine dont je vous parlerai dans un instant. C'est le YouTube enfant. Alors, est-ce que c'était ici ou c'était dehors? C'était ici, oui, je me souviens. Inaudible. Ah, c'est vrai, c'était un autre symposium sur la recherche. Bon, alors, en réfléchissant à ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, je pensais aux comportements et aux habitudes dont Karen et Matthew ont parlé et leur évolution.
Nous avons publié de la recherche, un projet de recherche intéressant cette semaine où nous avons demandé à nos ordinateurs d'aborder des problèmes fondamentaux, comme Mathieu a parlé, des jeux vidéo du début des années 80, d'essayer de l'alphabétisation numérique grâce à une machine avec des résultats très simples. Et j'étais très heureux, très fier de voir que nos ordinateurs si sophistiqués avaient réussi à maîtriser tous les jeux Atari. Alors, tous ceux d'entre nous qui avons passé des heures et des heures à maîtriser Asteroids et Galaga, nous sentirons encore moins importants. Mais c'est une observation intéressante et ça revient au fait qu'il y a une évolution dans la compréhension des outils et des dispositifs et des tâches qu'on doit entreprendre. Ça nécessite un très grand investissement de temps. C'est quelque chose que nous avons décidé d'étudier simplement pour montrer que ces dispositifs pouvaient faire exactement ce qu'un petit enfant avec la poche pleine de 25 sous pouvait faire. Alors, maintenant que je travaille chez Google, j'ai vu ce phénomène aussi, c'est-à-dire, et comme on l'a dit dans ce panel, on donne à quelqu'un un dispositif et on le laisse apprendre à adapter son comportement aux normes sociales et on compte sur les parents et sur les profs et la communauté pour orienter les jeunes sur ce qui est un usage adéquat, acceptable en fonction des valeurs de la société, de la famille, etc. Ça m'a porté à réfléchir à une discussion que j'avais eue avec mon frère. Lui et moi avons 2 ans de différence, mais nos enfants ont 20 ans de différence. Alors, au cours d'un week-end, il m'a envoyé un texto disant « Nous avons laissé Jack, leur jeune, avec un ami au cours de la fin de semaine, et il a appris à faire le swipe. Et je savais qu'il pouvait le faire parce que sur sa page Facebook, il savait, il a montré des pages de pouces, de pieds, du chien, etc. » Pour moi, c'était un point de transition intéressant pour mon frère parce qu'il essayait d'imposer une technique de contrôle et de clôture de la discussion parce qu'il avait des jeunes, mais l'allure, c'est-à-dire l'attrait de cet outil et du contenu était assez grand qu'il a réussi à trouver un iPhone et à jouer avec et donc à l'allumer. Alors, il y a une discussion entre mon frère et la gardienne de son enfant, parce que maintenant, il y a une différence, il y a un différent. Et c'est intéressant parce que quand une compagnie étudie ce qui se passe en ligne, quand les familles, les individus utilisent nos outils en ligne, quand je parle d'outils, je veux dire nos services, particulièrement, je parle notamment de YouTube. On peut le voir dans les registres d'usage. On peut voir de quel dispositif Mathieu parlait à la fin de son exposé, par exemple, cet accent qu'on met sur les aspects, sur les dispositifs mobiles, que ce soit un téléphone ou une tablette, et quel contenu est accessible par quel dispositif. Et si on fait un sondage auprès de n'importe quel parent, vous allez voir qu'ils essaient de contrôler l'usage par leurs enfants des outils en ligne. Ils essaient aussi de surveiller ce que leurs enfants font avec les dispositifs eux-mêmes, les appareils eux-mêmes, et d'imposer des contrôles à cette activité au hasard, c'est-à-dire que ce soit une horloge pour contrôler le temps passé en ligne ou ils éteignent leur routeur après un certain nombre d'heures. Ou avec mon jeune de 14 ans, je vais le voir à toutes les 90 minutes pour voir simplement ce qu'il fait en ligne. Alors, il y a des façons d'intervenir, des façons de renforcer les normes sociales. Et comme compagnie et comme sous-unité de YouTube, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un ensemble de comportements qui entourent YouTube, qui sont fort explicites, mais qui sont aussi très utiles. Il s'agit de quand on veut partager un contenu spécifique avec un des enfants et qu'on veut s'assurer que c'est vraiment axé sur les enfants, que ce soit utile et que ça renforce un comportement positif. Et ça le fait d'une manière que vous pouvez quand même contrôler en tant que parent ou autorité, figure d'autorité. Alors, l'équipe de YouTube a
cherché à développer, à mettre au point une application qui s'appelle YouTube Kids, qui va être lancée lundi et ça sera accessible seulement aux États-Unis pour l'instant. Mais l'idée derrière YouTube Kids, c'est qu'il y a suffisamment de contenu dans YouTube émanant de sources traditionnelles sur lesquelles qu'on connaît depuis notre propre enfance ou qu'on découvre dans différentes plateformes en ligne. Moi, personnellement, je dois dire que je suis très impressionnée par ce que Sesame Street fait avec ses canaux numériques. Ça me permet de rester accro aux petits films instructifs. Alors, ce que YouTube fait, c'est une application pour les enfants, mais qui est organisée, qui est montée par les parents. Et vous devez vous désinscrire. Vous devez sortir carrément de votre compte lorsque l'individu... On n'apprend pas l'information sur l'utilisateur. Ça dit simplement qu'on va imposer un filtre à l'expérience YouTube de l'utilisateur qui vous donne à vous, l'autorité, la possibilité de dire « Ici, c'est un milieu pour les enfants avec un contenu fiable, de producteurs fiables, qui va plaire à mes enfants, qui va les amuser dans un contexte qui me convient. » Et le plus important, c'est qu'il y a un temps limite. Vous pouvez imposer le temps limite pour que l'appareil s'éteigne après un certain nombre d'heures. Le but ici est d'essayer de relever certains des défis dont on a parlé, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'expérience en ligne, quand on parle de la signalisation, de la mesure dans laquelle on interagit avec le serveur et qu'on échange de l'information personnelle pendant quand on utilise un service, comment monter un outil qui a une signalisation bien claire pour l'utilisateur et la communauté afin d'essayer de bâtir, de créer de bonnes habitudes. Et comment, comme Mathieu le disait, comment renforcer le bon comportement? Comment créer un contexte où l'enfant voit des signaux clairs qu'il y a un usage acceptable du produit, du service, de l'outil dans des conditions qui sont imposés par l'autorité dans la famille. Alors, YouTube Kids est une tentative d'essayer de répondre à ce besoin pour une raison bien précise, avec un but bien précis, dans un but bien précis. Et le plus important, c'est qu'il y a encore un élément de découverte. YouTube Kids utilise encore l'élément découverte de YouTube, qui a encore bien des outils fiables de producteurs, créateurs et diffuseurs traditionnels, mais a aussi beaucoup de contenu produit par les utilisateurs qui est très pertinent à ce qui intéresse les enfants. Alors, Daphne parlait de la fascination des enfants envers Star Wars. Vous avez vu, évidemment, le Star Wars en Lego. Et elle m'a dit, ben, lequel? Et parce que les gens sont en train de refaire tous les films possibles et imaginables avec des Lego. Alors, YouTube Kids a pour but, justement, de retrouver tout ce matériel qui est acceptable et pertinent pour l'enfant qui utilise l'application. Alors, comme j'ai dit, à l'intérieur des limites imposées par les parents, avec un certain degré de confort pour les parents eux-mêmes. On parle aussi, Karen parlait des badges des utilisateurs. Et en tant que... C'est une discussion qui se continue, qui se poursuit dans le contexte de la loi sur la protection des renseignements en Europe, en Amérique du Nord. Et c'est une discussion qui continue aussi dans la communauté DPA depuis que Anne Kevorkian a commencé à proposer des avis étagés. On est encore en train de travailler avec ce principe, que ce soit par le biais d'insignes ou d'autres avis structurés ou de menus sur les dispositifs mobiles. Quelle est la façon adéquate de communiquer les paramètres de communication et comment les données sont recueillies et utilisées et négocier cette relation entre l'utilisateur et le fournisseur du service. Et c'est particulièrement difficile, comme on l'a dit, parce qu'on parle de la multiplicité de dispositifs, les multiples dispositifs qu'on utilise toute la journée, petit téléphone, grand téléphone, ordinateur, laptop, etc.
tous les modèles qui évoluent, qui changent constamment et qui requièrent des connaissances différentes et souvent aussi des suppositions différentes de la part des utilisateurs. Les tablettes servent généralement pour le contenu alors que les téléphones pour la communication. Comment combler la lacune entre les deux et comprendre la définition de consentement entre les deux dispositifs? Et c'est un endroit où je crois, et je le dis depuis déjà bien des années, on est encore en pleine transition. Si on regarde les téléphones et les appareils mobiles qu'on avait il y a 5 ans et comment on entrevoyait notre relation avec les développeurs et les fournisseurs de services en ligne, comparativement à la capacité d'accéder à l'information et à examiner les couches de notre relation avec le fournisseur aujourd'hui, il y a eu un pas énorme en avant. Comme Matthew le disait, il y a un degré de complexité tel encore que c'est un état de confusion presque permanent, parce que ça évolue à un rythme pour quelqu'un de 45 ans ou plus, qui est beaucoup plus facile à comprendre et à s'adapter pour un jeune que pour quelqu'un qui a passé ses années de formation avec des jeux vidéo en format texte seulement. Mais comme Karen étudie la question à temps plein et essaie de décider d'une stratégie qui essaie de tenir compte de l'interaction de l'utilisateur, c'est un processus simple, mais des idées très complexes. Que ce soit Mozilla, Google ou toutes les compagnies qui fonctionnent en ligne, sont en train d'investir énormément de temps et de ressources justement pour essayer de trouver la bonne réponse. Parce qu'en bout de ligne, ce qui compte, c'est que l'utilisateur ait une expérience satisfaisante et rassurante, et tout en minimisant la confusion au sujet des transactions et des services qu'ils ont entrepris. Et avec ce défi, je m'arrête.